Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. J'ai encore plein de merveilles à vous présenter. Je voulais faire une petite collection, puis en fait c'est pas du tout une petite collection, c'est une grande collection avec vraiment des pépites, donc c'est parti. Donc pour commencer je vous montre un petit ensemble. Alors vous devez reconnaître, c'est la veste effet serpent que j'ai eu en noir et en cognac. Elle était, oui voilà, elle existait en noir et en cognac. C'est une veste fabriquée en France qui existe du 46-48 au 58-60. Avant de recommencer, comme d'habitude, j'oublie, je vous rappelle rapidement. Toutes les pièces que je vous présente sont à retrouver sur ma boutique en ligne, donc ladyandmemishop.com. Je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut et une taille 54-56 sur le bas. Et j'ai fait un réassort cette semaine, je vais vous mettre en ligne tout à l'heure, donc là ils sont pas encore en ligne, mais quand vous verrez cette vidéo, le réassort sera fait sur les Pulsara noirs et Pulsara marines. 6 millicures de chez C-Melody, je les ai mis en ligne hier, il en reste plus qu'un, donc peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est plus là, je ne sais pas. Je vous ai fait un réassort sur les pulls oversize avec l'étoile en strass sur le devant. Je vous ai mis en ligne également les robes Marie, je crois que c'était ça son nom. Les pulls noirs avec les étoiles sur le côté. Voilà, je vous ai fait quand même pas mal de réassorts, je vous les laisse dans les nouveautés de la semaine, comme ça vous pouvez les retrouver. Allez, c'est parti. Donc avec cette petite veste, donc c'est une veste effet un peu croco. Je pense que vous voyez de laquelle je parle, et pour les nouvelles, vous avez exactement le bon motif. Elle est bleu marine et je trouvais qu'elle était top parce qu'elle s'associait parfaitement avec cette nouvelle robe. Donc je vous montre. Les fermetures sont dorées. C'est super sympa. Du coup, ça rappelle un petit peu, vous savez, le jaune de la robe. Je trouve ça. Au niveau de la tenue. Je rappelle encore, parce que j'ai eu un message tout à l'heure encore, les bottes viennent du site Bottes Mollet Large. Voilà, comme ça vous le savez parce que j'ai tout le temps la question. Donc la robe, elle a une bonne longueur, et il y a des tailles également. Elle m'arrive, je crois, je vais regarder dans le miroir, elle m'arrive, disons, en dessous du genou. Ouais, en dessous du genou, en sachant qu'elle est doublée en fait, mais c'est voilée. C'est deux voiles, mais elle n'est pas transparente. Hein. Je vérifie. Je pense pas qu'elle soit transparente. Moi je porte mon leggings de la boutique. Voilà, comme ça vous voyez, je pense pas qu'elle soit transparente. Donc la robe elle existe en 46, 48, 50, 52, 54, 56. Et moi je porte la 54, 56 parce que j'ai voulu qu'elle soit fluide au niveau du bas. Ce qui est ma taille sur le bas en fait, tout simplement. Et au niveau de la petite veste, je porte la taille 50-52. Donc elles sont pratiques parce qu'elles peuvent se porter sur des robes. Mais vous pouvez aussi les associer avec des jeans vu que c'est dans la même couleur, dans les tons bleus. Et puis vous pouvez aussi vous les associer avec des pantalons noirs. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc au niveau de cette petite robe, elle a les manches un petit peu bouffantes. Elles sont transparentes, les manches ne sont pas doublées. Et vous avez un petit imprimé un peu automnal. Moi j'aime beaucoup du jaune, du orange, des fleurs. Le fond est marine, vous avez un col V et elle est un petit peu là, il y a une petite couture au niveau de la poitrine. Et ensuite elle est en fait en mode coupe beaucoup plus large sur le bas, ce qui est du coup plutôt avantageux. Et elle est doublée, voilà, elle est trop jolie. Donc voici pour la première tenue. Autre tenue que je vous présente, cette fois-ci je reporte ma petite veste, j'aime trop. Et je trouvais qu'elle s'assortissait parfaitement avec ce nouvel modèle de robe, je vais vous montrer. Donc cette robe existe uniquement en taille unique, vous n'avez pas de taille. Et c'est une robe qui est assez large, elle me rappelle beaucoup la robe, je pense que c'est la même taille, bordeaux et noir que j'ai sur la boutique. Parce qu'elle est vraiment très très large, voilà. Donc je vous la présente après sans la veste, mais je voulais quand même vous montrer le rendu de la tenue complète avec la veste. Alors je vous avoue que cette semaine j'ai pas sorti de bijoux, mais du coup vous pourrez mettre avec des boucles d'oreilles noires. Donc j'ai plusieurs styles de boucles d'oreilles noires sur la boutique qui iraient parfaitement avec. Et vous pouvez mettre également des petits bijoux ou des gros sautoirs si vous voulez, noirs ou marines. De toute façon là ça ira parfaitement. Allez voir dans la catégorie des accessoires, vous pourrez retrouver des petites pièces sympas. Donc au niveau de la robe, une fois que j'enlève la veste. Donc au niveau de cette robe, une fois que j'enlève la veste, c'est vraiment, je pense, le même modèle que la bordeaux et noire.
Elle se présente comme ça, donc vous avez vu, elle est hyper large. Donc celle-ci, clairement, c'est à partir d'un 50-52 jusqu'à un 56-58. Vous avez de la marge. Vous voyez, elle est vraiment large. Elle a une manche bouffante, resserrée sur le bas. Et elle est longue, moi... ouais, moi elle m'arrive en dessous du genou et elle est plus longue derrière. Qui donne un très joli effet quand on marche, vous voyez, c'est plus longue derrière et je trouve que le rendu est plutôt, plutôt sympa. Et elle est, à ce niveau-là, vous avez un petit volant. Donc, disons que là, vous avez sous la poitrine une petite couture et ensuite quand vous descendez, vous avez un petit volant juste là. Elle est trop jolie. Voilà, avec une petite paire de bottines, de bottes, de boots, de baskets, un petit legging, vous êtes trop bien à l'aise dedans. Et je pense qu'avec un gros sautoir, ça peut rendre super joli. Les motifs, c'est donc dans les tons marine et noir. Et c'est un petit peu des motifs, disons, géométriques. Ouais, vous avez les bonnes couleurs. Donc voici pour la petite robe marine. Ensuite, autre pièce, et j'avais envie de vous la montrer comme ça, parce que je la trouve trop jolie, c'est une robe moutarde, elle est splendide. Elle pique un peu pour celles qui sont sensibles comme moi, mais après là j'ai absolument rien en dessous. Donc clairement avec un leggings par exemple, là je sens pas que ça pique. Et avec un débardeur ou un soupule, en sachant que je vais remettre en ligne des soupules dentelles taille unique, que je n'ai pas encore eu cette année, mais qui a priori serait à partir d'un 50-52, donc... parfait, enfin pour les 50-52. Et celles qui font les tailles en dessous, faut prendre ceux de chez C'est Mélodie, mais je ne sais plus si j'en ai encore sur la boutique, sinon j'en reprendrai. Mais voilà, donc c'est celle-ci, elle est moutarde, elle est trop belle, j'adore le rendu, j'adore la forme. Elle est en mohair, enfin en tout cas il y a du mohair et de la laine je crois dedans, donc ce qui explique qu'elle soit un peu piquante et un peu chaude comme ça. Elle tient bien chaud, enfin elle est vraiment... elle est vraiment top. Avec le soupule dentelle noir, je pense que ce serait sublime en dessous. Après, pour celles qui ne... pour lesquelles ça ne dérange pas, vous mettez un petit débardeur ou un... enfin, si vous avez envie d'avoir quelque chose en dessous. Elle voilà, a une jolie coupe, je trouve. Elle a un beau rendu sur le corps. Elle met bien en valeur la silhouette. Elle est trop jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve trop, trop belle. Niveau de la matière, elle perd peut-être un peu ses poils, vous voyez. Mais bon, ça m'a pas l'air hyper flagrant. C'est pas incroyable. Elle est trop jolie. Je vous la montre quand même comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu sa couleur, comme elle rend et comment elle rend sur la taille. Elle est trop belle. J'aime trop le rendu. Elle est trop belle. Et donc j'ai mis un petit sautoir, hein, j'ai été chercher un sautoir. Je me suis dit c'est dommage quand même de vous présenter une robe comme ça, sans sautoir, parce qu'elle est trop belle, mais elle méritait son petit sautoir. Donc là c'est le sautoir petit cœur noir de la boutique. Je crois qu'il est en ligne. Je sais plus si on l'avait remis en ligne. Faut que je vérifie. Voilà. Allez, on continue. Et j'ai pas testé, mais par contre le moutarde va très bien avec le marine. Donc la veste marine irait très très bien aussi avec cette petite veste. Ça casserait un peu le look. Je sais pas si je vais vous la chercher. Bon, je voulais absolument vous montrer le look avec la veste moutarde. Je trouve que ça rend trop trop bien. En fait, la robe moutarde va très bien aussi avec les fermetures dorées de la veste marine. Et je trouve que ça fait un look... Je fais attention parce que j'ai peur de me prendre le mur. Je trouve que ça fait un look fini, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. J'adore, je trouve que le rendu est trop trop beau. Vous avez les bonnes couleurs, enfin, ça met vraiment en valeur la silhouette. Je trouve que ça fait un peu, vous savez, ouais, ça fait un joli, joli rendu. Voilà. Très tenue, petite coup de cœur, je l'adore, c'est trop joli. Alors, je porte le pull Rock and Love. Pour tout vous dire, j'ai craqué dessus. Alors, c'est une taille unique qui va pas convenir à tout le monde. J'ai craqué dessus parce que sa couleur, je l'ai trouvé trop jolie. Je trouvais que ça changeait d'habitude, une petite couleur comme ça, lila. Je trouvais ça trop beau. Et j'ai voulu la sortir avec une petite robe. Donc c'est une petite jupe taille élastiquée. Donc la jupe, il y a des tailles. Donc ça c'est chouette parce qu'elle va aller jusqu'au 54-56. Vous voyez, moi je porte la taille 54-56.
Elle est fabriquée en France, la jupe, et elle convient, enfin il y a des tailles à partir du 46-48. Que cette jupe est 42-44, je sais plus si j'en ai pris, mais au cas où vous pouvez me dire si vous en voulez. La jupe existe en 42-44. Et la robe que je vous ai présentée tout à l'heure en marine, je crois qu'elle existe également en 42-44. Voilà, donc la jupe, elle est fluide, elle est doublée. Donc ça, c'est chouette. Vous voyez, vous avez une doublure qui arrive mi-cuisse. Donc comme ça, elle n'est pas transparente. De toute façon, le tissu n'était pas transparent, donc tant mieux. Elle est bien élastiquée et elle est volantée sur le bas. Je pense que vous voyez. Voilà, bien volantée. Au niveau du pull, il est top canon, mais il est un peu court. Vous voyez, il est, c'est un pull assez court. Je pense qu'il convient vraiment d'une taille 42. 40-42, parce que c'est vraiment des tailles petites tailles là pour le coup. Jusqu'à un 46. Ouais, 46, j'ai même envie de dire 48. 46-48, parce que moi je suis pas serrée dedans. C'est juste qu'il est un peu court pour moi. Voilà. Par contre, ce pull pique un peu parce que dedans il y a de la laine et il y a peut-être du mohair. Donc pareil, pour celles qui sont sensibles, mettez quelque chose en dessous. Mais par contre, la maille, elle est sublime. Elle est sublime et je trouve que coordonnée des deux... Donc je vous prends face à moi comme ça pour que vous puissiez voir. J'aime vraiment trop la couleur du lilas comme ça. Je trouve trop trop beau. Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est que moi il est court parce qu'en fait il est un peu resserré sur le bas. Vous voyez, ça fait un peu... Ça se replie comme ça. Mais ce qui fait que je peux pas vraiment y passer mes poignées d'amour par exemple. Avec cette tenue ça va, mais avec un pantalon je serais peut-être pas hyper à l'aise. Mais par contre il est... La couleur est splendide. Donc voilà, je ne l'ai pas mis trop. Attendez, je vous baisse. Voilà. Donc le pull Rock and Love avec la petite jupe fleurie mauve, lilas, comme ça, je la trouve très... Ensuite, nouvelle tenue, petit coup de cœur encore. Alors, je porte le pull de la semaine dernière parce que je trouve... Alors, je vous montre la tenue complète. C'est une jupe simili-cuir, elle est magnifique. J'avais eu l'année dernière des jupes simili-cuir, c'est exactement chez le même fournisseur. Mais je crois pas que c'était ce modèle-là, celui-ci a des fermetures, j'ai pas souvenir que l'année dernière avait des fermetures. Enfin bref, peu importe. En tout cas, je pense que c'est un nouveau modèle, il est sublime et moi j'adore mélanger les matières. J'adore mettre avec du simili-cuir de la maille, je trouve que c'est magnifique. Donc je porte le pull beige perlé de la semaine dernière. J'ai choisi cette couleur là, mais clairement vous pouvez mettre évidemment toutes les couleurs que vous voulez avec cette jupe puisqu'elle est noire. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Et je trouve que le rendu de la jupe avec la maille beige comme ça, c'est trop joli. La jupe a des tailles, elle existe en 46-48, 50-52, 54-56. Je porte ma taille habituelle, donc la 54-56. Je ne suis pas serrée dedans, je suis bien dedans. Et la jupe, il me semble, est doublée. Oui, elle est doublée. Elle est doublée, elle m'arrive... Alors, c'est une jupe taille haute, hein, regardez. Elle est vraiment taille haute. Et moi, elle m'arrive au genou. Et c'est un peu une coupe, vous savez, un peu jupe crayon, quoi. Elle est moulante et elle a un super beau tombé. Elle a une petite fente dans le dos, en bas, en fait. Mais on voit pas votre culotte du tout. Hein. Je vous rassure, elle arrive... elle arrive au milieu des cuisses et elle est doublée. Donc, tout va bien. Et la tenue est trop belle. J'aime trop. Je vais vous montrer. Bon, je vous montre de ce côté-là, c'est quand même plus sympa. Je vous baisse. Voilà le rendu. Elle est trop jolie. Franchement, j'adore. Je trouve que ça rend trop trop bien. Avec un pull grosse maille comme ça, je trouve que c'est idéal. C'est trop. Donc voilà pour cette petite... Et j'ai oublié de vous dire, mais cette petite jupe peut évidemment être portée aussi pour les fêtes parce que je la trouve très classe, très chic. Et donc vous pouvez très bien la rendre un peu plus festive, clairement. Vous pouvez la mettre avec un haut pailleté ou autre. Elle ira parfaitement. Et même comme ça, je trouve qu'elle est, elle est très chic pour une soirée ou autre. Elle est parfaite. Ensuite, je vous présente un manteau. Il est sublime. Regardez. C'est un manteau motif carreau. Il est dans les tons gris. Je pense qu'il doit y avoir de la laine, peut-être du mohair ou peut-être les deux dedans. Parce qu'il a un petit côté où il a un petit peu de poils qui dépassent. Mais vous allez le voir.
Voilà. Mais c'est pas choquant, j'ai pas l'impression qu'il perde ses poils en tout cas. Il est chaud. Il est bien bien chaud. Il a une coupe que j'adore. Je vais vous montrer après sans la ceinture. Il a 6 boutons comme ça. Il est large. Je pense que celui-ci, du coup, vous voyez, il a une coupe quand même assez large. C'est à partir d'un 50-52. Ouais, c'est 50-52-54, je pense. Peut-être même 56, parce que je le trouve large. C'est des manches plutôt 7-8e. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur un 7-8e. Vous avez deux poches et il est long. Vous voyez comme il me rend. Le rendu, il me va jusqu'au genou. Donc ça, c'est chouette. Et j'aime beaucoup le col qui fait très chic, très classe. Je trouve magnifique ce manteau. Il est super. Donc je vous le montre face à vous comme ça. Donc le voici. Voilà. Et vous pouvez donc le nouer. Vous avez une ceinture. J'aime bien l'effet que ça rend un peu noué. Je trouve que ça fait, ça recintre au niveau de la taille. Ça fait presque une, comme un effet petite jupe comme ça. Et il est canon. Il est trop beau. Voilà. C'est un joli manteau d'hiver. Et j'ai une écharpe. J'ai un nouveau modèle d'écharpe à vous présenter, donc c'est celui-ci que je trouve canonissime. Dans les mêmes tons, donc je trouvais ça chouette. Il est donc beige, gris, et vous avez en fait aussi du noir et là des détails en fait de fil brillant doré. Et je trouvais que c'était trop joli. Donc celle-ci, vous pouvez la porter de différentes façons. Hop, je vous montre. Hop. Le rendu, donc soit vous la portez comme ça, un peu toute simple en fait, comment je peux vous montrer mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez la porter comme ça. Là, j'ai les cheveux qui s'accrochent. Voilà. Voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons. Et je la trouve toute douce, toute agréable à porter et j'adore. Ouais, vous la voyez. Ensuite, un autre manteau qui est tout aussi joli. Alors, il faut savoir que l'autre est lourd à porter. Je sais que des fois, on me pose la question. Donc, l'autre est lourd à porter. Celui-là est tout léger. Voilà. Donc, si ça peut vous intéresser. Celui-ci, c'est un manteau bouclette noir et gris. Vous avez des tailles, donc je pense que ça, vous allez être contente. Vous avez des tailles, vous avez des poches. Il se ferme avec deux boutons, vous avez un petit col. Il n'y a pas de lien à nouer à la taille. Et il existe en 46, 48, 50, 52, 54, 56. Je ne sais plus si j'ai pris du 58, 60. C'est possible que j'ai pris du 58, 60. Je pense qu'il doit y en avoir un. Sinon, il existe en 58-60. Je le reçois manche retroussée comme ça, manche... Ah bah, je croyais qu'on pouvait les ouvrir, mais non. Donc, c'est des manches 3 quarts, 7-8e. Là, j'ai pas de pull qui ressort en dessous, sinon il serait ressorti en dessous. Voilà. Et avant de l'enlever, je voulais vous montrer... cette petite paire de gants parce qu'en fait je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pris une paire de gants et j'ai pris un bonnet. Le bonnet, je suis pas hyper fan de la matière et tout, donc je vous le montrerai pas. Par contre, cette paire de gants, je suis totalement fan, donc celle-ci je l'ai ouverte parce que du coup c'est la mienne, vous l'aurez compris. Mais du coup, elle ne sera pas en vente aujourd'hui puisque j'en ai qu'une et que je me la suis gardée. En revanche, si ça peut vous intéresser, vous me dites. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu comment elle est et si ça vous intéresse, j'essaierai d'en prendre celle-ci et d'autres modèles. C'est une paire de gants noirs un petit peu effet d'un, elle est toute douce. Et vous avez en fait du liseré doré là, entre les doigts comme ça. Et vous avez en fait un petit détail comme ça sur l'index d'une petite fleur en fait brodée. Elles sont très très jolies. Par contre, j'ai pas de taille, donc je peux pas vous dire la taille des mains. En fait, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais sachez que moi, personnellement, ma main rentre. Et ça, c'est dans les collections classiques. Donc, je sais pas. Je saurais pas vous aiguiller au niveau des tailles, quoi. C'est des tailles uniques. Donc voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en prendre trop parce que je savais pas. Voilà ce que ça rend. Je les trouve trop jolies. Paire de gants, voilà.
Allez, j'enlève mes gants, j'enlève mon manteau. Et le manteau, je ne sais plus si je vous ai dit, il est fabriqué en France. Et je vous montre la robe en dessous, c'est une robe de fête. Donc c'est pour les fêtes de fin d'année ou pour des soirées ou des anniversaires. Ensuite, une petite robe, donc comme je vous expliquais, pour les fêtes, elle est très jolie. Par contre, celle-ci est courte pour les filles qui font 1m70. C'est court, vous pouvez peut-être mettre un fond de robe en dessous. Parce qu'en fait, elle est doublée. Je vais vous montrer. Elle est doublée. Mais elle est doublée moi pile poil sous mes fesses. Donc après avec le legging tout va très bien. Si vous mettez un collant plus transparent que moi et que vous êtes aussi grande que moi, je vous conseille de mettre un fond de robe. Si vous êtes plus petite que moi, bah ça ira parce que du coup elle sera plus longue pour vous, la doublure. Et du coup ça ira parce que la doublure sera plus longue pour vous. Et vous avez donc le voile par dessus qui est trop joli. Il est magnifique. En fait, vous avez de la doublure sur toute la robe et vous avez en fait les manches transparentes. Yes, vous avez la transparence et l'effet voile qui brille. Vous avez du fil lurex brillant. Vous avez des petits pois. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment une très belle robe. Ça, pour Noël, pour le nouvel an, elle est parfaite. Ou même pour un anniversaire, une soirée ou autre. Je sais pas si vous voyez la beauté du voile. Elle est fluide. Elle existe en 46, 48, 50, 52, 54, 56. Et donc là, moi, je porte la taille 54, 56 par rapport à mon bas. Moi, j'aime bien être à l'aise. Donc voilà. C'est encore une belle petite pépite pour les fêtes. Donc face à vous, je vous montre un petit peu le rendu de la robe noire comme ça avec le fil lurex brillant comme ça, c'est magnifique. Vous avez donc les petites manches, enfin, c'est trop joli. Les détails sont fous, celle-ci est fabriquée en France donc trop trop bien. Hop, et voilà, son rendu. Elle est trop belle, trop trop belle. Bon, ensuite j'ai fait aussi un réassort sur ce gilet fin noir long et fluide et je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que ça fait un moment en fait que je vous l'avais présenté, j'en avais plus du tout. J'en ai repris parce que je me suis dit quand même c'est un indispensable à avoir, vous les aimez beaucoup. Ils mettent en valeur la silhouette, ils sont tout fluides, ils s'adaptent à la morpho donc c'est trop cool. J'ai pris, donc j'ai mis avec un haut, donc c'est les t-shirts dentelle. Donc après je vous le montre sans mon gilet, qui vont jusqu'à un 52 ceux-là. Voilà, donc c'est des soupules en fait noires, alors je l'ai en trois couleurs, je vous les montre après. Je l'ai en blanc, en marron et donc en noir. Ils sont avec la dentelle sur le bas comme ça, c'est trop joli. Et je porte une jupe qui va vous rappeler la jupe de la semaine dernière, qui était plus petite en taille, je vous avais dit ça va jusqu'à 44, 46 parce que je ne pouvais absolument pas rentrer dedans. C'est exactement le même modèle, enfin... plus ou moins, je sais plus si c'est exactement le même, mais en tout cas plus ou moins, c'est ce modèle là et vous avez en fait celui-ci, la taille, une ceinture élastiquée comme ça, donc ça s'adapte à votre morpho. Donc celle-ci elle va d'un 44, 46 jusqu'à un 52 facile hein, parce que moi mon 54, 56 rentre dedans, mais je préfère vous dire jusqu'à un 52 et c'est en fait exactement comme les jupes Lola que j'avais en plusieurs coloris et elle est doublée en dessous, voilà, elle est doublée blanche. Vous avez le voile par-dessus, noir, marron, et je trouve ça très beau. Du coup, voilà la tenue. Et je vous montre donc le t-shirt, enfin le soupoule dentelle, sans le gilet, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du rendu. Donc, le soupoule dentelle, il a aussi de la dentelle sur le bas du vêtement. Donc, c'est trop joli quand vous avez un pull court. C'est trop trop beau. Donc le voilà. En fait c'est ce qu'on appelle basique. Enfin je sais pas pour celles qui connaissent, c'est ce qu'on appelle les rouleaux. Parce qu'en fait vous les recevez dans des... en forme de rouleau. Donc voilà, celui-ci je l'ai ouvert. Je vais pas ouvrir les autres mais je l'ai en noir et en marron taupe. Voilà. Et la dentelle en fait sur le bas, qui est là. Voilà, et donc ça c'est pratique en hiver, sous vos pulls, vous êtes bien confortable à l'intérieur de vos vêtements et il est tout doux, donc parfait. Parfait, vous avez de la dentelle au col aussi, ça c'est beau aussi quand vous avez un col V comme ça, un pull col V, vous avez une petite dentelle comme ça qui dépasse, donc
Nickel, allez on continue. Au niveau des soupules dentelles, donc des rouleaux, le noir que je portais tout à l'heure existe en blanc et en taupe. Je pense que je ne vais pas les ouvrir. Je vais voir si j'en ai besoin pour ma prochaine tenue ou pas. Si j'en ai pas besoin, je les ouvre pas, comme ça, ça évite de les avoir ouverts, tout simplement. Donc là, vous avez, c'est exactement le même en noir et exactement le même en taupe. Voilà. Ensuite, je vous présente un manteau qui est trop petit pour moi. Trop déçu. C'est comme ça. C'est un manteau effet un peu style zèbre. Il est trop joli en plus. Il est pas lourd au niveau du porté. Il est marron et noir. J'aime beaucoup. J'adore parce qu'il a des manches un petit peu bouffantes comme ça. Et c'est hyper original pour un manteau. Je sais pas si vous voyez. Il a deux poches. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Vous avez un bouton pour le fermer, mais comme vous voyez, je ne peux absolument pas le fermer. Je pense que celui-ci, c'est un 40, 42, 44, 46, je pense. Je prendrais bien les mesures, mais à mon avis, 44, 46, ouais. 42, je prendrais bien les mesures pour vous dire, mais voilà. On voit qu'il y a un souci sur moi, mais il est hyper chic, hyper classe. Je pense qu'il va vous plaire parce que vraiment, ouais, il est très très chic, très original. C'est une très belle pièce. Mais elle ne me va pas. Ensuite, une autre merveille. J'ai craqué sur cette tenue, vous allez voir. Je porte le soupule dentelle que je vous ai présenté donc tout à l'heure. Avec donc la dentelle sur le bas, la dentelle sur le devant. Et je porte une... Alors c'est une surchemise de chez C. Melody, une surchemise carreau, un peu effet boucheron, vous voyez, blanc, crème, noir, gris, moi j'adore, je trouve le style canon et surtout l'hiver ça vous réchauffe, vraiment. Et je porte un pantalon carotte, taille unique, qui est très confortable, qui ira jusqu'à un 52. Et c'est dommage parce que le pantalon carotte, vous ne verrez pas très bien. C'est un pantalon qui est un petit peu... à l'intérieur, il est un peu effet polaire. Vous avez deux poches, donc c'est bien parce qu'il tient bien chaud. Et vous avez un nœud là sur le devant à nouer. Mais je ne sais pas si on verra le petit nœud qui est là. Voilà. Avec ce genre de veste comme ça par-dessus. Je trouve que ça rend super bien. Mais après, un pantalon carotte, ça peut se porter bien évidemment un peu plus en style un peu plus chic avec un joli pull ou autre. Et vous laissez dépasser en fait le petit nœud comme ça, c'est vraiment très très beau. Est-ce que vous voyez bien ma veste, ma surchemise? Parce qu'elle est divine, elle est hyper douce la surchemise. Je l'aime beaucoup beaucoup. Donc la surchemise, c'est une de chez C. Melody qui va d'un 46 à un 50... 50, parce que 52 on pourra pas le fermer, donc 46 à 50 ou 52 ouvert, je vous le noterai. Le soupule dentelle, donc vous l'avez vu, et donc le pantalon qui est hyper agréable à porter. Le pantalon, je dirais 48-52, petit 54 parce que moi je rentre dedans, vous voyez, je suis pas serrée dedans, je suis hyper bien, donc petit 54. Allez, on continue. Ensuite, la surchemise noire et blanche que je viens de vous présenter existe également en couleur marron chocolat et elle est canon aussi. J'aime beaucoup le rendu, donc je la porte exactement sur la même tenue que je viens de vous présenter. Je sais plus si je vous ai dit qu'elle était plus longue derrière que devant. Donc ça, c'est chouette. Et donc là, voilà, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, elle est toute douce et je trouve qu'elle réchauffe le teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ces petites surchemises comme ça, c'est canon. Sur une touche toute noire comme ça, ça donne une petite couleur qui réchauffe le teint. J'adore. Je pense que vous avez vu le bon imprimé, la bonne couleur. Oui, on a vu la bonne couleur. Allez, on continue. Je vais vous montrer. Vous savez, je vous avais présenté plusieurs fois durant ces deux dernières années des pantalons avec des poches de chez C. Melody. J'en ai repris, je vais pas les essayer parce que vous savez qu'après je les abîme et du coup je vous les vends pas, donc c'est un peu dommage. Surtout que le noir je l'ai déjà et je crois que j'ai le beige aussi. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc c'est trois nouvelles couleurs entre guillemets parce que le noir c'est un réassort. Donc c'est ces pantalons là. C'est des pantalons qui sont hyper stretch. Des pantalons qui sont hyper stretch,
qui vont, il me semble, jusqu'à un 52. En tout cas, la fiche produit existe déjà et il me semble qu'elle était jusqu'à un 52. Vous voyez comme ils sont fluides. Ils ont des poches, en fait, sur le côté. Ils ont des poches sur le derrière. Et ils ont des poches sur le devant. Voilà. Ça, c'est le caramel. Il est très joli. Au début, je m'étais dit que ça irait très bien avec ce modèle-là. Quoique celui-ci irait aussi très bien avec le chocolat. Donc à voir. Mais c'est vraiment des beaux pantalons, très qualitatifs, très agréables à porter pour tous les jours. Vraiment, c'est des merveilles. Je pense que ceux qui les ont pourront le dire. C'est vraiment des pièces à avoir dans son dressing. Donc en caramel. En noir, ça c'est vraiment le basique noir. C'est un réassort parce que je l'ai eu vraiment de nombreuses fois. Donc là, c'est un réassort sur le noir. Et le chocolat, je crois pas l'avoir eu non plus, le chocolat. Et je trouve, voilà, le chocolat, je pense que c'est celui qui s'assortira peut-être le mieux avec la surchemise marron. Parce qu'en fait, dans cette surchemise-là, vous avez aussi du chocolat. En fait, cette surchemise va aussi bien avec le pantalon noir là. Le chocolat, le caramel, le pantalon carotte, enfin voilà. Elle s'assortit vraiment avec plein de looks différents. Donc voici pour les trois pantalons de chez Semelos. Ensuite, je vous présente une petite tunique de fête. Elle ressemble énormément, je pense qu'on va l'appeler la tunique pin-up parce qu'elle ressemble à la robe pin-up. Je pense qu'on va l'appeler la tunique pin-up parce qu'elle ressemble énormément à la robe pin-up de la semaine dernière. Donc c'est celle-ci. Elle a des manches voilées comme ça, transparentes avec des petits pois. Vous avez du noir là sur le devant comme ça. Donc là c'est plus voilé. Elle est magnifique. Ça, c'est vraiment pour celles qui ne veulent pas mettre de robe à Noël, ni au Nouvel An, ni lors d'une soirée, et qui ont envie quand même d'avoir un... Et qui ont envie quand même d'être un peu chic et festive. Bah là, clairement, une petite tunique comme ça, elle est magnifique. Vous allez voir, c'est exactement le même modèle que la robe, mais en version courte, en fait. Vous avez aussi le petit volant, donc sur le bas, comme ça. Petit volant un peu effet voile avec des pois. Vous avez sur le devant, donc là je porte rien en dessous, hein, ça c'est fourni avec, en fait c'est une seule pièce comme ça. Vous avez donc un effet fermeture comme ça, elle est dorée. Voilée là, enfin c'est magnifique. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie et celle-ci existe en différentes tailles. Donc elle existe en 46, 48, 50, 52, 54, 56. Voilà, et elle est fabriquée en France. Là je la porte avec le pantalon carotte, mais avec le simili cuir. Ça irait parfaitement avec, vraiment ça serait très joli que ce soit le pantalon simili cuir de chez Semelody ou n'importe quel autre simili cuir, celui effet serpent ou autre, ça irait parfait, parfaitement avec. Hop, je vous redescends. Donc, ensuite, je vous présente un sweat de chez Semelody, mais un sweat chic. C'est un sweat léopard, comme ça. Il est gris et les taches de léopard sont noires. Il est trop joli. Vous avez une capuche qui est juste ici. Voilà, pour celles qui veulent mettre leur capuche, vous pouvez le mettre. Et c'est une taille unique. 46-52 comme d'hab, j'ai même envie de dire 44 selon les mesures. Je vous descends, vous avez deux liens comme ça, hop, et au niveau de la longueur, il m'arrive, il n'est pas hyper long mais il n'est pas non plus court, il m'arrive disons au-dessus du milieu des fesses, je ne sais pas si on comprendra bien. Mais il est hyper agréable, je peux le porter donc avec un pantalon noir, vous pouvez le porter avec un simili cuir, un jean, voilà il y a plein de possibilités, il est canon. Vous avez la bonne couleur. Ensuite je vous présente un pull sweat, ouais c'est plutôt effet sweat je dirais. Il est tout doux dedans, donc ouais, plutôt sweet. Et ça sort de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais j'avoue, je le trouvais choupi comme tout, donc je me suis dit, je vais vous prendre quand même. Il est hyper agréable à porter.
En plus, il va jusqu'à une taille 54, 56, je pense. Attendez, je vous montre. C'est un magnifique petit pull sweat noir. Il est plus long derrière, il vous cache bien les fesses. Ouais, franchement, il vous cache bien les fesses. Devant, il va à milieu des cuisses. Il remonte un petit peu sur le devant, mais il vous cache bien le ventre. Et en fait, c'est un sweat avec le M de mini, le nœud de mini. Mais je le trouvais classe, celui-ci. Vous avez des manches donc resserrées comme ça sur le côté. Vous voyez comment ça fait? Et là, sur le devant. Et vous avez des strass sur le M de mini, sur les... je crois qu'il y a les oreilles qui sont là. Vous avez le petit nœud qui sont là, qui est là. Et vous avez également sur le bas des petits liens à nouer. Et je pense que si du coup vous les desserrez... Ouais, si vous les desserrez, du coup il a grandi en fait. Il sera encore plus grand. Donc vous avez juste... un lien sur chaque côté, donc vous pouvez l'agrandir si vous voulez, refaire un petit nœud si vous voulez le resserrer. Donc il s'adapte aussi à votre morphologie. Celui-ci faisait partie des tailles classiques, mais vous voyez, je me doutais qu'il irait à une grande taille, hein. Donc celui-ci va jusqu'à 56 largement. À partir, moi je trouve par contre pour les petites tailles, il me paraît quand même assez large, donc je dirais plutôt à partir d'un 46 pour être. Pour être sûr, 46-56. Et si vous aimez les porter un peu au effet oversize, effet loose, vous pouvez prendre si vous faites en dessous d'un 46. Mais il est hyper confortable à porter. J'ai gardé mon pantalon carotte parce que il est trop bien ce pantalon carotte. Il est trop agréable, j'adore. Ensuite, coup de cœur sur cette petite tenue. Elle est trop trop belle. Je porte une marinière. Elle est trop belle. Bleu marine, blanche avec un cœur rouge comme ça, le détail qui fait toute la différence. Manche 3 quarts je dirais. C'est une taille unique et c'est dans la collection petite taille. Donc je dirais que ça se porte oversize, donc 44-46 jusqu'à 50-52 pour être bien dedans. Et je l'ai associé au pantalon stretch magenta de chez... c'est Mélodie. Et je trouve que le rendu était trop beau parce que le petit cœur avec le petit pantalon, ça ressort et c'est magnifique. Au niveau de la marinière, comme ça, elle a une matière, je crois qu'il y a de la laine et du cachemire dedans. Donc elle a un petit peu de petits poils légers qui vont peut-être s'enlever encore, je suis même pas sûre. Et je trouve pas qu'elle pique. Elle pique légèrement, mais franchement, ça... c'est pas désagréable à porter. Je la trouve pas désagréable à porter. Elle est pas là en train de me gratouiller. Elle pique un peu par contre, je vais quand même vous le dire. Mais elle... ouais, elle est pas... Après, j'ai rien en dessous. Vous rajoutez un débardeur ou en dessous et ça sera parfait. Ou un petit t-shirt et vous serez extrêmement bien dedans. Et je trouve que la tenue est trop belle. J'aime trop. J'adore. C'est trop joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je vous présente cette sublime tunique blouse. Je vous l'ai présentée la semaine dernière en bleu canard. Et vous l'avez adorée. Donc je vous l'ai prise en noir avec son joli sautoir comme ça, offert. Je vous l'ai dit, hein, les sautoirs offerts, faites attention, ils ont tendance à rouiller. Ils sont là pour faire joli, mais c'est pas de la hyper belle qualité. En revanche, cette petite tunique, elle est magnifique, j'adore. Elle a toujours donc son petit rendu de... resserré à ce niveau là et plus fluide à ce niveau là. Et voilà, je l'ai mis avec le pantalon rouge, mais vu qu'elle est noire, vous pouvez l'associer à toutes les couleurs que vous voulez en bas, peut-être éviter le noir. D'ailleurs, un nouvel article est sorti sur le blog, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et dedans on parle des couleurs, voilà. Donc, c'est le même que le bleu canard, mais cette fois-ci en noir. Il est trop joli. Ensuite, autre petite tenue. Alors là, je suis partie dans les tons verts. Donc c'est une petite blouse vert sapin, je dirais. Ouais, je dirais vert sapin. Avec des petits motifs comme ça dans les tons beige, crème. Donc c'est une blouse de chez C Melody qui va d'un 46 à un 52. Et j'ai mis un petit pantalon vert. C'est pas tout à fait le même vert. Mais ça reste un vert sapin. attendez, je vous montre pour que vous puissiez un petit peu voir.
Les deux vont ensemble, hein. Moi je trouve que c'est des couleurs qui peuvent aller ensemble, mais c'est pas totalement le même vert que celui de la blouse en fait. C'est pas tout à fait le même vert, mais ça va très bien ensemble. Et c'est une petite blouse toute simple comme ça, vous mettez ça avec un bon gilet noir, crème, vous mettez ça avec un gilet vert, peut-être à voir. J'irai plutôt sur du noir pour casser un petit peu la couleur. Et ensuite je vous présente deux autres pièces. Ensuite je vous montre deux autres pièces que je vais pas essayer pour pas les abîmer. Donc vous avez ce pantalon là, vous le connaissez, c'est le pantalon avec ses jolies poches volantées, donc de chez C. Melody, qui est en taille unique 46-52, quelque chose comme ça. Il est matière jogging, donc en coton, hyper confortable. Vous voyez, le pantalon que je porte sur moi là, c'est le pantalon stretch que vous connaissez en toutes les couleurs. Je crois que j'avais pas encore eu le vert, donc c'est chose faite. Et donc celui-ci, c'est un autre modèle que vous avez sur la boutique encore de disponible, je crois en noir et en bleu canard. Ils sont très beaux, ils sont très confortables. Et en fait, ils ont des détails comme ça aux poches que je trouve que c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Petits détails comme ça, des poches volantées, c'est trop bon. Et vous avez aussi celui-ci, donc celui-ci il me semble que c'est un réassort, il me semble que je l'ai déjà eu sur la boutique. C'est le pantalon stretch gris anthracite. Et souvenez-vous du pull Rock and Love du début en lila, il irait parfaitement du coup avec ce pantalon gris. Le rose va très bien avec le gris, le blanc aussi. Voilà, il y a plein de possibilités de look. Et donc là c'est le pantalon stretch, donc c'est le même que le vert que je porte. C'est le même que le rouge magenta que je vous ai montré également juste avant. Je les ai également dispo sur la boutique en noir et en d'autres coloris. Donc voilà, cette vidéo nouveauté est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que ces petites pépites vous plairont. Moi je vous avoue, j'ai eu de nombreux coups de cœur cette semaine. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Vous pouvez retrouver donc toutes les pièces sur la boutique ladyandmimishop.com. Vous pouvez régler par carte bancaire, PayPal ou virement. Si c'est par virement, il faut me contacter. Vous pouvez m'écrire sur ladyandmummy@laposte.net. Je réponds rarement le dimanche, mais plutôt le lundi. Voilà. S'il y a des retours, ils sont à votre charge. Vous avez 14 jours à compter de la réception de l'article pour que moi je reçoive le retour. Mais avant de me le renvoyer, contactez-moi voilà, pour me le dire, que je vous donne l'adresse, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!